tellement plu. Eh bien salut les musclores, j'espère que vous allez bien. Mesdames, messieurs, je vous présente aujourd'hui le deck Mecha Cthun Warrior, une decklist que j'ai joué un petit peu hier si vous avez regardé mon stream, qui est extraordinaire à l'heure actuelle. Je m'amuse énormément, vraiment énormément. Je vais vous expliquer un petit peu la decklist, je vous ai montré un petit peu, c'est une decklist compliquée, donc j'ai mis quelques petites pièces de la combo en intro. J'espère que vous aimez ça, vous me dites dans les commentaires si ça vous plaît ou pas pour certaines decklists, les decks combo en tout cas. Et cette decklist là, Warrior, c'est la decklist de Fibonacci, donc elle est très très peu jouée, elle est très très peu connue, en tout cas à l'heure où je fais cette vidéo. Et donc c'est une combo Mecha Cthun qui tue Octoon. Comme vous avez pu le voir dans l'introduction, la combo c'est Mecha Cthun, Maligos, donc le Maligos qui donne plus 5 dégâts des sorts, donc il va buffer les sorts pour tuer Mecha Cthun. Vous jouez le pack boom, la légendaire hein, du Warrior, tout simplement, le sort légendaire du Warrior tout simplement pour invoquer les deux en même temps. Et vous faites rage intérieur, et ensuite vous faites tourbillon. Ça c'est la combo classique, évidemment en fonction des games et en fonction des adversaires, vous allez vous débrouiller s'il y a un guest, même s'il n'y en a plus beaucoup à l'heure actuelle. Si vous croisez un guest, vous pouvez jouer autrement ou quoi que ce soit. La force de cette decklist, c'est quoi la force de cette decklist? Pourquoi cette decklist est aussi jouissive? Déjà parce que quand vous gagnez, vous avez vraiment le sentiment d'avoir mérité votre victoire. C'est vraiment des games très difficiles, mais c'est pas des games difficiles où vous allez souffrir. Vous n'allez pas être dans la souffrance comme beaucoup de decks combo, vous allez juste souffrir pendant 10 tours et ensuite vous allez pouvoir faire votre combo. Avec ce deck là, vu que c'est un Warrior, c'est très solide, finalement vous êtes assez à l'aise hein, sur vos points de vie. Contre les decks aggro, vous vous défendez avec tous vos sorts, voilà, vous vous bagarrez, à la fin vous gagnez avec la combo ou même sans des fois. Et contre les decks contrôle, et là vous piochez à toute vitesse et ensuite vous faites la combo Pack Boom Maligos Mectoon et vous gagnez, voilà, tout simplement. C'est extrêmement jouissif à jouer, on va aller le jouer tout de suite, on l'adore ensemble et voir un petit peu ce que ça donne. Mais il est vraiment très très cool hein, le deck. Honnêtement, moi je l'ai déjà bien saigné depuis quelques jours là, donc je l'aime vraiment beaucoup, je l'aime bien. Voilà, allons-y, on va l'essayer un petit peu. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur le deck? Alors il y a Harrison dedans, vous pouvez remplacer par Limon, mais c'est bien Harrison parce qu'avec le projet d'armement, je crois que ça s'appelle la 2-3, l'arme 2-3, ça donne à votre adversaire aussi, ça vous donne 6 d'armure. Ça vous permet de piocher 3 avec Harrison et tout, donc c'est quand même plutôt fort d'avoir Harrison Jones. Voilà, sinon après c'est que des cartes défensives, donc c'est pas trop dur. Ok, Hunter c'est un cas particulier, c'est un petit peu difficile Hunter parce que c'est pas un deck contrôle, c'est pas un deck aggro, tu vois. C'est pas un deck où juste tu vas te défendre, c'est vraiment un mid-range. Mais bon, on a largement les ressources pour le battre. Et hier, on en a battu 3 ou 4, donc ça devrait le faire. En main de départ, qu'est-ce que vous voulez? En main de départ, vous voulez toutes vos cartes de pioche et vos cartes défensives. Contre les decks aggro, principalement les cartes défensives. Contre les decks contrôle, principalement vos cartes de pioche. Vous voulez arriver à la fatigue à toute vitesse. Le plus vite possible, arriver à la fatigue, le plus vite possible, vous aurez gagné. Donc vous voulez piocher. Et voilà, est-ce que j'ai Armor Up ou est-ce que je joue ça contre Hunter? Je pense que jouer ça c'est pas dégueulasse en vrai. Hein. C'est fort ça. Ouais, au prochain temps je jouerai ça. Qu'est-ce que je disais? Donc ouais, voilà vos cartes de pioche. Vous ne voulez pas les cartes de la combo en main de départ, évidemment. C'est pas logique, mais c'est vrai que les cartes de la combo, c'est un gros handicap pour vous. Puisque du coup, il faut vider le deck, donc il faut dans tous les cas piocher toutes les cartes. Donc autant avoir les cartes de pioche. Si vous avez les cartes de la combo, c'est les cartes que vous ne pouvez pas jouer. Ça vous arrange pas. Donc voilà. Alors on va aller double face ici, je pense. On va aller double face parce qu'il peut pas trop me punir de ça, de cette situation là. Et moi j'aurais projet d'armement, armor up à la rigueur au prochain tour. Oh non, il va faire play dead dessus. Il va faire play dead, c'est sûr. Tue lui. Surtout pas lui. Aïe. Oh là là, beaucoup trop de chance, le mec. La chatte. Aïe. Ça fait un peu mal au boule de perdre ça, mais tant pis. Tant pis. Aïe, mon acolyte. J'étais sur une belle curve en plus. Hein. Là, c'était vraiment cette combinaison-là qui me punissait. Je me suis dit peut-être un arc corne d'aigle, tu vois, mais il le joue pas. C'est la version... vu qu'il a joué KD7, c'est pas la version secrète. Donc il... Parce qu'il le joue pas, le bâtard. Non, il est en train de me tuer à mon propre jeu. En vrai, là, on a un bon explomatique. Derrière, Zilex qui va commenter avec l'explomatique, c'est pas mal. Juste ce qui m'attriste un petit peu, c'est que la combo, je la ferai beaucoup moins vite à cause du fait que, du coup, il m'a enlevé une carte primordiale de pioche, hein, évidemment, l'acolyte de la souffrance. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va s'agaler, là. Bam.
Et je pense qu'on le joue lui, il n'y a pas de raison de pas le jouer, c'est. Je peux me tromper, mais il me semble pas. Je pense pas comme ça à une raison de pas le tuer en tout cas. De pas le jouer, pardon. Pas le tuer. Et là, au prochain tour, ça c'est bien, ça va commencer à piocher un peu. Tourbillon, vous pouvez en faire un parce que vous en avez deux dans le deck, donc vous pouvez vous permettre d'en jouer un petit peu à l'arrache. Putain, ma caméra est toute petite, c'est normal. Bon, je pense que c'est à peu près normal. Ok. Oh waouh, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Oh. Oh, on a eu de la chance au moins une fois. Ok, je vais piocher d'abord comme ça. Ok, le Maligos est là. Bon, c'est pas toujours pas ouf, mais c'est toujours ça. Et là, le but, c'est juste de gagner du temps, de toute façon. Mais bon, là, contre Hunter, malheureusement, avec aussi peu de pioches, je pense que ça va être compliqué. On a déjà deux cartes de la combo. Là, lui, il peut pas le gérer comme ça, donc c'est plutôt cool s'il suicide son truc dedans. En plus, il a joué un cube à blanc, donc c'est plutôt sympa, quoi. Aïe, aïe, aïe. La savane. Alors, ça, c'est chiant. On va rien pouvoir faire. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va arriver, ça va arriver. On va avoir des cartes, on va les endommager. Et ensuite, on pourra faire ça. C'est dommage, un tour avant, c'était bien. Ou alors, Harrison, là, ça me fait piocher deux en vrai. Hein, tant qu'il tape pas avec son arme, là. En vrai, c'est pas très intelligent de taper avec son arme parce que. Il va taper là. Je sais, il va taper. Parce qu'en fait, il a pas d'arme meilleure que celle-là dans son deck. Donc, dans tous les cas, s'il a envie de tuer un truc, il le tuera avec ça, probablement. Ok, fait le DK pour avoir plus de créatures. Elle a tout à fait raison. Elle a choisi très très vite. C'est un peu inquiétant. Mais c'est comme ça, hein, juste un mot passe. Ça par contre ça m'est rarement arrivé hein, d'arriver à un stade comme ça où juste je fais rien. Mais ça arrive, ça devrait arriver souvent en vrai. Ça devrait arriver souvent. C'est surtout le fait que ce soit un hunter en fait, c'est vraiment embêtant. Le fait que ce soit un hunter c'est un peu embêtant. Il est toujours pas avec son arme. Ça je vais le faire cette fois-ci. Suffis-moi tes mots à l'oreille. Ok, et je fais ça deux fois, je pense. Juste parce que j'ai envie de piocher un maximum. Ok. Juste j'ai envie de piocher un maximum, c'est vraiment... J'ai besoin là, à l'heure actuelle, de piocher le maximum. Donc je me permets de le faire, évidemment. Je gâche quelques ressources, mais c'est pas grave. De toute façon, moi je veux juste arriver à la fatigue. C'est pas normal que je sois à 11 cartes. Là, je devrais être à 5-6 cartes dans le deck. J'ai pris un peu de retard, malheureusement, dans cette partie. Mais vous voyez, toutes les games sont différentes. Aussi, ça, je trouve que c'est un point fort du deck. C'est que c'est assez différent toutes les games. Pas la furie des vents, quand même. Ah, sans dommage, je vais pas l'avoir. Hein, j'ai envie de dire, on peut entendre. What the fuck. Bon. C'est complexe. Putain, pourquoi il a tapé sur ce tour, là? Ah, mais non, voyons. Qu'est-ce que t'en fais? Si je fais ça et ça, c'est ok hein. Juste ça et ça. Voilà, et je pense que je tape ici. Juste. Ça sert à rien de taper parce que de toute façon je vais tuer avec la combo, mais c'est juste le principe d'avoir un tourbillon au prochain tour, ça peut être sympa. Je peux avoir besoin d'un tourbillon techniquement. J'ai pas envie d'être obligé de faire ça. Ok, au prochain tour je ferai probablement boom. Boom c'est bien. Parce que ça vous donne un petit peu de flexibilité dans la game, un petit peu de polyvalence. Et en plus de ça, ça vous donne 7 d'armure. Donc plutôt un beau tour 7 hein, dans un deck qui a priori veut juste gagner du temps. Hein, c'est plutôt sympa. Waouh. C'est plutôt une belle carte, hein, faut admettre. Ok, comment c'est ça? Ça, ça et l'heure de bouclier là-dedans. Il est ciblable, ouais, il est ciblable. Au moins c'est géré les gars. Ça c'est le découvrir un mecha, c'est le pire, c'est celui que vous n'avez pas envie d'avoir en général. Après là dans cette situation là c'est peut-être sympa parce que l'idée c'est que j'ai rué avec tous mes mechas, mais l'idée c'est que là en général t'as pas envie d'avoir une carte en plus dans ta main, t'as envie d'en avoir le moins possible, de juste de piocher tout ton deck et de vider toute ta main tout le temps. Tu vois. Là il faut que je pioche Harrison, c'est ma meilleure pioche parce que du coup je vide ma main très vite. Si je pioche Harrison j'ai déjà gagné, je pense, plus ou moins, tu vois. C'est vraiment très très fort ici. Mais je vais peut-être devoir le faire quand même juste pour avoir une ruée. Qui tabasse. J'ai une baston aussi dans le deck au passage. Juste comme ça, je le précise. C'est pas très important. C'est pas très important effectivement. Cyralark qui est équipé. Est-ce que je pioche ou... Je pioche, je pense. Si je pioche Harrison, c'est une folie. Ah, pas d'Harrison. Oh non. Non. Il a l'âge trop, mais voyons que se passe-t-il. En vrai, si je prends ça, ça le fait chier un peu, non? Si je prends ça, en vrai. Parce que du coup, lui, il passe à 2 HP. Et son arme, elle tape 1. Ça m'a l'air vraiment rigolo. Mais si je prends ça, ça va l'embêter.
Le but c'est d'embêter l'adversaire. Je suis pas quelqu'un de méchant en soi, mais dans un seul quand même, a priori, si ton adversaire il est embêté, c'est que tu vas gagner. Donc le but c'est quand même de faire chier ton adversaire. Donc voilà, ne me jugez pas. Je fais les plays les plus chiants pour mon adversaire. C'est un petit peu ma raison de vivre, on peut le dire. Non allez, là il me faut vraiment le harisson parce que si j'ai le harisson, vu qu'il reste plus beaucoup de cartes, je suis sûr d'avoir quasiment tout. Et enfin les cartes de pioche et tout, tu sais, après c'est fini quoi. Vu que j'ai ça, évidemment, je parle de harisson parce que ça fait piocher pour chaque. Oh non! Pas une 5-6 qui va face! Il s'est dit, on sait jamais. Par contre, ça, ouais. Ok, le heurtoir. On commence par le heurtoir. Là-dedans. C'est pareil, je crois. C'est pareil, ouais. Yes! Ça part de là, les gars! Mais oui! Ok, projet d'armement. Je récupère un petit peu d'armure, donc c'est plutôt chouette également. Je fais Harrison Jones. Je pioche 3 cartes de mon deck. Donc là, c'est plutôt cool. Ensuite, je trade là. Alors, du coup, pour le coup, je peux pas gérer lui. Mais j'ai des petites 1-1 qui sont plutôt chouettes. Voilà. Voilà, on fait avec ce qu'on a, hein, mesdames, messieurs, également ici. Je pense que je suis juste comme ça. Je suicide tout. Il n'y a pas de raison de pas le faire. Il n'y a pas de raison particulière de le faire non plus, tu me dirais. Là, taper avec l'arme, il n'y avait pas de raison de le faire aussi. J'ai mal joué ce tour. J'étais un petit peu trop excité par la pioche de Harrison Jones. Pourquoi j'ai tapé là? Taper face n'a pas d'intérêt. Voilà, ça, c'est un autre truc qu'il faut savoir. Taper face ne sert à rien, ne le faites pas. Enfin, si t'as rien à faire, pourquoi pas tu tapes face, mais tu pourrais tout autant passer ton tour, ça reviendra au même. Voilà, dans ce genre de match-up. Après, il y a des match-up de temps en temps où tu gagnes avec les créatures, parce que bah tu prends un guest, ou voilà, il y a plein de scénarios, mais. Mais sinon, évidemment, moi je parle de manière générale, hein, bien entendu. Voilà. Je fais ça et ça, je pense. En vrai, dans tous les cas, il me faut un tour encore. Là, c'est plutôt cool, hein, je suis installé sur mes 27 HP. Mais dans tous les cas, il me faudrait un tour supplémentaire. Au prochain tour, je fais ça et ça, a priori, hein, encore une fois. Ce qui me permettra tout simplement de ne plus avoir de cartes dans la main qui ne soient pas des cartes de la combo. Et ensuite, paf! Je fais ma combo. Personne n'est prêt. Parce que là, la dernière carte, ça doit être Boomship, j'imagine. C'est la carte, vous savez, qui permet d'invoquer. Alors ça m'embête énormément en vrai. Parce que du coup, je peux pas faire ma combo. Attends. Je peux pas faire la baston. Si je tape avec ça, il va comprendre, je pense. En fait, je peux pas faire la baston quand il y a qu'une seule créature sur le board. Ça, c'est un vrai problème. Pas Inner Rage, comment ça s'appelle? Pas Rage Intérieur. La carte qui fait piocher en fonction du nombre de créatures endommagées à 2 points de mana. C'est pas Inner Rage, c'est Battle Rage. Battle Rage. Rage du combat. Rage du combat, même si t'as pas de créature sur le board, tu peux le faire. Alors que ça, non. Donc là, s'il joue rien, il gagne la partie. Enfin, il gagne. Au bout d'un moment, je vais juste y aller YOLO, mais. Tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc là, je peux faire la baston. Là, je peux faire la baston. En fait, je peux pas avoir une carte dans la main, sinon Cthulhu, il peut pas tuer la créature. Ok. Je suis à 24, je suis à 24, les gars. Je suis à 24 HP. Oh, j'étais beaucoup plus haut tout à l'heure, j'avais dit 27, non? Bizarre, le pote a pas très fort. Ok. Là, ça va être la combo. Normalement. Là, tu sais, il fait guest. L'homme trop deg. Oh! Il avait un moussu, ça lui a servi à rien. L'avantage aussi de notre deck, c'est que, bah, vu qu'on joue rien, votre adversaire, il a pas trop de removal à faire, tu vois. Donc il avait raison de faire le play dead sur la 3-3, ça m'a un peu ralenti. J'aurais gagné beaucoup plus vite s'il m'avait pas tué mon acolyte au tout début. Ça m'a énormément ralenti. Et là vous faites le pack boom, ça invoque toutes les créatures, donc si vous en avez 3 hommes c'est pas très grave techniquement. Vous faites rage intérieure, et hop là. Vous avez la main vide, vous avez le deck vide, vous avez le board vide, et c'est le létal avec le deck Mechactoon, mesdames et messieurs. Incroyable, c'est un deck extrêmement agréable à jouer parce qu'il gère à la fois bien les aggros. Vu que c'est un warrior,
Mais en même temps, il gère bien les contrôles. Et là, on était contre un mid-range, donc en soi, les match-ups les plus complexes quand même. Et on l'a quand même géré. Bon, c'est pas très facile à jouer. Il y a des match-ups qui sont très difficiles, notamment comment s'appelle le serpillère, le druide serpillère, très complexe, mais vu que les gens connaissent pas encore trop la decklist, ils savent pas jouer contre. Et puis bon, voilà, il y a quelques matchups qui sont un peu complexes, mais sinon voilà, c'est un régal cette decklist là, mesdames et messieurs. J'espère que vous la kifferez, j'espère que vous aurez la chance de l'essayer, que vous avez suffisamment de cartes. Je vous fais des bisous. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires, mesdames et messieurs. Je vous mets mes réseaux sociaux et le lien du Discord et tout ça, et le lien de la decklist dans la description. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Tchuss les potos.